il y a ma cambassoni, il y a ma blocage, il y a ma esprit de mort, il y a ma dépense de Samatina, la cocotte, amen à ta place. Amen. Amen. La délivrance est la destruction d'une vie et l'installation d'une autre. Amen. Yes. Détruire une vie. Malheureuse, médiocre. Maladive. Remplie de freinage et de blocage. Et installer une autre vie. Ça c'est très important. La délivrance, c'est aussi le fait d'avoir trouvé une révélation dans la parole de Dieu. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est très important. C'est une mutation de vie. C'est ça la délivrance. Très 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 important. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est quoi l'histoire négative? Ce sont des voies tracées, des lignes obligées. Dans chaque famille, on a tracé des voies obligées. Suite à certains accords de nuit, tout garçon commencera par ici, il passera par ce chemin et s'arrêtera là. Toute fille de cette famille commencera ici, passera par ce chemin et s'arrêtera là. Et le premier combat de votre vie, c'est contre les voies tracées. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Lorsque tu vas commencer à bouder ces voies-là, alors que ces esprits-là vont se révolter. Parce que tout le monde part, part par là. Tout le monde accepte cela. Mais pourquoi toi tu refuses? C'est là le début des combats. Tu vois pas moi je vite. Toi tu as un bâtiment sur quoi tu vas te battre? Na ah parce que tu vas te battre tu vas être mort. Où est le vite na simama. Tu as dit la destinée d'une personne sur la terre dépend de trois choses. Premièrement, la qualité de votre sang. Ali, ok? Yes. Il y a des sangs dans lesquels on a interdit l'accès à certaines choses. Ah oui. Tout ce que tu cherches là, dans votre sang familial, on a programmé que vous n'aurez pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 12:4, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Voilà pourquoi pendant